Les amis, c'est Simucox. Aujourd'hui, une petite vidéo un peu particulière, une petite série sur les applications pour iOS, donc pour les jailbreaks, etc. Donc, je suis sous l'iOS 6.1.2, donc on peut aller dans les réglages, donc. Appelage général, information du logiciel. Je suis bien dans 6.1.2 car la 6.1.3 ne fonctionne pas. Voilà, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc, ensuite, je vais vous parler aujourd'hui d'une application Cydia. C'est OXO. Alors, OXO, qu'est-ce que c'est? Alors, OXO, c'est un logiciel qui va, recréer un peu c'est un tweet qui va recréer votre barre de statut qui est en bas. Donc, je rappelle, quand vous faites un double clic sur le bouton Home, vous arrivez là-dessus. Alors, OXO, qu'est-ce que simplifie? Alors, ça simplifie déjà pour supprimer les icônes. Donc, au lieu de d'appuyer longtemps sur une icône et ensuite, appuyez à chaque fois sur chaque petite application. Vous appuyez longtemps. Hop. Et là, il va vous dire, voulez-vous supprimer toutes les applications du multitâche? Donc, si vous faites oui, il va tout vous supprimer. Moi, je fais non parce que j'ai autre chose à vous montrer avant. Donc, ensuite, par exemple, qu'on garde les réglages et recorder. Recorder, c'est ce qui permet de filmer l'écran de mon iPod. Alors, par exemple, on va retirer la musique. Et ben, vous avez juste à glisser, comme je suis en train de faire, l'application. Voilà. Et ensuite, vous appuyez longtemps si vous avez une longue clé. Vous appuyez sur oui et ça se fait automatiquement. Ensuite, OXO permet aussi de faire autre chose. Pareil que sur iOS. Ensuite, OXO permet, comme sur Android ou Windows Phone, d'avoir des commandes rapides sur son multitâche. Donc, par exemple, nous avons le mode avion. Pour tout ce qui est sonnerie du téléphone. Pour Internet, le Bluetooth, la Dell, le Respring. La navigation, le VNP et le blocage de l'écran. Voilà. Alors, donc pour configurer OXO, c'est très simple. Vous allez dans configuration. Ici, vous avez donc tous les modes que vous pouvez faire. Vous pouvez en mettre de 1 à 9. Et ensuite, vous pouvez en avoir un peu plus si vous allez sur Internet. Vous pouvez liker. Vous pouvez mettre un petit cœur sur Twitter ou sur Facebook. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Passons au mode pour télécharger OXO. Alors, vous allez dans Cydia. Petit temps de chargement dans Cydia. Donc là, je suis déjà dans les réglages, dans les recherches. Donc vous allez arriver sur cette page Cydia. Vous allez dans générer. Vous allez dans source. Dans source, vous allez taper http://apt.thebigboss.org/repo/file/cydia/. Bien sûr, je le mettrai dans la description qui vous permettra d'aller un peu plus vite. Pour la vidéo. Donc ensuite, vous avez deux moyens d'accéder pour télécharger OXO. Soit vous allez dans Big Box. Moi, je vous conseille de défiler le menu roulant, aller dans B, puis redescendre vers les A jusqu'à arriver sur OXO. Voilà, il y a assez de trucs à descendre. Voilà. Nous sommes arrivés, vous n'avez plus qu'à appuyer sur OXO. Et installer. Mais vous pouvez faire plus facilement en allant dans recherche, vous tapez OXO.
Vous cliquez là. Voilà. Et donc ensuite, vous allez dans, au lieu de modifier là, qui est en haut à côté de détails, il y aura marqué installer. Vous l'installez, il va vous demander de redémarrer. Il va vous demander de redémarrer. Et ensuite, attendez, je regarde parce que j'ai peut-être dit une bêtise. C'est peut-être pas le bon. B. Oxo. Non, lui, il l'a pas. Cake. Non. Non, B. Je vous conseille toujours de faire ça, ça va plus vite. Si je le trouve. Non, il n'y est pas. C'est pas possible. Oxo, oxure, 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 y, oxio. Non, il n'est pas. Que j'ai pas fait, lui. Ah, je sais pas. Je sais pas où il est. Je sais pas la source. Je sais plus la source. Bon, je vous remettrai ça dans la vidéo. Dans les liens de la vidéo, voilà. Donc, c'était tout pour cette vidéo sur Oxo. On se retrouve la prochaine fois pour, je vous montrerai Barrel, l'un des logiciels que j'utilise aussi pour le multitâche, par exemple. Hop, si je fais glisser, non, tac, ici. Voilà, si je fais glisser, voilà, je vous montre comment on fait les différents changements, etc. Voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui. Hop, on va le remettre à sa petite place, voilà. Donc c'était tout pour aujourd'hui, c'était Simucox sur la chaîne GoodRox Gaming. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt. Salut, bye bye.